Dimoninga wanga, wanga iwa bolingo. Dimoninga wanga, monte masena. Ah, Barbara Kanam. Noir et blanc, Fali Ipupa. Baka Tukunda, Tukunda, Junior Isele, Salon Godé Kimania. Mike Mutunde Elengi, Serge Adien, Kelimbo Soro. Yokumbi motema, pe makanisi nanga, mwana mobali oyo. Yoboyi kozongi selanga bolingo, ezali lisusu nzembo. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons en tout cas le plaisir de recevoir Barbara Kanan qui est en tout cas ici à Bruxelles. Barbara Kanan, vous voyez, Biga Bino Mongo, je pense qu'elle te représente, puisque vraiment, Aza, vraiment, toujours le vent en poupe. L'album Caribou qui marche en tout cas fort bien, même ici en Europe, ici à Bruxelles, puisque Aza, on a à Bruxelles. Toujours Yambaye, Awa, devant notre studio, les amis de Ouechi. Vous voyez, vraiment, les amis de Ouechi, on a à Bruxelles. Barbara Kanan, l'album Caribou, ça fait quand même un bouton l'album, vous avez déjà sur le marché, quelques mois déjà. Alors peut-être par rapport à l'appréciation à Batou, où ils ont déjà aussi Bayoki, Batou Bayoki déjà en gros, même en Apoto, en Afrique. Alors par rapport à l'appréciation, Batou Bayoki, on est venu. Merci d'abord. Oui. Merci pour l'occasion, Bopé Singa, na Loba, na plateau, les amis de Ouechi. Et Pessinga et Sengomingi, parce que effectivement la linga qui public congolais est banga dans voilà. Profondeur et est banga un peu plus parce que c'est vrai que Nata connu sur le plan international Nabambo Kebele, mais il est important pe na faire asseoir comme on a na Congo parce que je fais partie des ambassadrices ya culture na biso Nabimisi album nango ya Misato Caribou. Caribou signifie bienvenue na Swahili, donc Akwaba, welcome. Ouais. Et ça, invitation vraiment, il y a public Nanganyoso. Et ça, la voyage musical, et au Kabandi moi bien. Et Naza très heureuse parce que public accueillir l'album avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. À partir du moment où Congo Indiminga, c'est que Mokilimo Bimba et Kondimangaï. En plus, je suis sur ce plateau, donc ça prouve bien que Caribou est au Kenelibousso. Caribou, bienvenue à Bruxelles, effectivement. Caribou, troisième album, comme tu viens de le dire également. Mais troisième album. Public va découvrir le public congolais en fait, va découvrir un troisième album. Comment est-ce que Bayoko découvre un troisième album? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans deux albums, puisque vraiment à partir du troisième album, qu'effectivement va découvrir vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux autres albums? Pourquoi est-ce que vous allez un peu inaperçu la public congolais avant? Pourquoi est-ce qu'on néglige Kibango? Qu'est-ce qui s'est passé plus dans ta carrière? Bon, on a négligé Kibango. Oui. C'était quoi alors? Nazalaki, un producteur ivoirien. Oui. Donc pour lui, bon, Azomo a nécessité vraiment de poser la promotion à Kinshasa parce que pour lui, Côte d'Ivoire, ils allaient déjà plein sur nom. Ça suffisait largement parce qu'à partir du moment où ils étaient à Abidjan, à la chaîne internationale, à Crack TV, à MTV, pour Bango, c'était déjà suffisant. Ouais. Mais Ngaï, personnellement, Nazala qui n'a souci, je me suis dit, c'est pas possible que je sois reconnue ailleurs. Et pas n'anga va pas douter que Naza congolaise ou pas. Ouais. Bon, il y a aussi, point Moussous, c'est que Nazo, ça, la musique. Qui est une musique internationale. Voilà. Naimbara plus na français, na swahili, cette fois-ci na mekipe lingala parce que na vandi plus na lubumbashi. Donc c'est vrai que lingala, bon, c'était un peu compliqué au début. Mais maintenant là, tu parles déjà de la lingala. Bon, bah, mais c'est déjà ça. C'est mon pays, donc de toute façon, je pense que on est tous pareils. C'est un même pays qu'on représente. Et Nazari n'associe vraiment Ba et Banga un peu plus. Les deux premiers albums, ça a été un franc succès na Mambo Kamsoso parce que j'ai gagné beaucoup de prix. Bakora, depuis 2003. Avec Bibi Madeleine, l'argent appelle l'argent. Oui. Et les Canabas TV,
na gagné ba Koundé d'or, Tamani, ba prix ebélé. Donc je pense que zala qui négligence té mais zala qui simplement stratégie, il y a promotion. Il y a promotion, il y a producteur. Il y a producteur. Lélo na za producteur yanga moko donc on a sali la belle nangai donc c'est beaucoup plus facile. Oui. Lélo na décidé de ce que je veux faire et comment je veux le faire et puis naza salana Kiki Touré voilà. Qui a compris que qui connaît bien le milieu congolais d'ailleurs milieu congolais, est vraiment dans le congolais absolument et donc ensemble to salaki choix to banda promotion na Congo spécialement na Kinshasa na Lubumbashi pour peuple congolais et découvrir véritablement qui est Barbara et ba monape ba œuvre nangai nazo sala makambo ebele pona mboka nazo représenter mboka partout donc c'est normal que nasa la promotion paye pas na biso effectivement ça a bien marché mais tu découvres également qu'à l'album nayo tu as fait beaucoup de reprises aussi beaucoup je crois que ba chanson oyo ba artiste ya kalabayimba tu en as vraiment beaucoup dans ta album nayo c'était quoi les choix est-ce que c'était quoi manque d'inspiration ou alors tu voulais simplement comme ça qu'on valorisait un peu bah, artiste voilà c'était quoi pourquoi est-ce que tu as fait comme ça de reprises c'était quoi d'abord parce que tu fais beaucoup de reprises aussi hein, ça absolument boy bi comme succès est belé les lots et à reprises c'est dans un en fait ezana n'associe à qu'on valoriser effectivement de remettre en avant au goût du jour Banzimbo Kala parce qu'on a un patrimoine Banzimbo na nyoso ezo ça la partie à patrimoine nabiso et il faut jeunesse et continuer il faut jeunesse et d'où on vient deuxièmement na sali album de 14 titres sur 14 titres na sali ba reprise mi balé donc ce n'est pas beaucoup si vous faites la balance c'est pas beaucoup mais c'est important tout ça la reprise parce qu'il ça aussi appelle ça oh là ça aussi appelle là-bas jeune artiste aussi bas ça là aussi ça absolument arrive en arrière parce qu'on vient de quelque part toi il faut pas qu'on les laisse mourir il faut les faire revivre et la seule façon de les faire revivre c'est de faire des reprises au travers il y a ba voix il y a ba jeune il y a génération Asika parce qu'on est là pour ça. C'est une continuité musique et coup faraté. Musique, elle a toujours, elle a intemporel. Les lots, on continue à écouter du Bob Marley, alors pourquoi on ne va pas écouter du Lucie Eyenga, du Abeti Masikini, du Pamelo Munka, parce que ça fait partie de nos artistes. Voilà. Voilà, ça c'est Barbara Kanan Azaro Loba. Mais tu as fait aussi featuring avec Fally Ipupa. Est-ce que vraiment le fruit a habité? Est-ce que on retrouvait en tout cas là, Loba, quelque chose là, Loba, c'est vraiment productif en fait. Featuring, est-ce qu'il a apporté ou il n'y a vraiment pour espérer? Je pense que featuring tout est à la cas productif parce que d'abord, tout ça a un esprit à solidarité, esprit à échange. Tozo représenter Mboka na biso donc na lingaki pe na mettre accent sur ça j'aurais pu faire ba featuring na ba musicien mususu ya poto mais na préféré d'abord na salana ba ndeko na ngai congolais mais ça, choix d'abord ya Fally na sala déjà featuring na Willo Longomba na ça on le sait aussi Fally c'est le deuxième featuring na imba ki na droit chemin to sala ki nzembo qui était un peu plus R&B na lingaki cette fois-ci puisque na sala album qui est un peu plus dans la rumba donc na lingaki na sala en tout cas, na revenir na ba origine nangai et je pense que bon Fally fait partie d'yaba chanteur au bazo sala rumba lelo. Il avait le temps de le faire donc na sali na Fally mais je peux le faire avec beaucoup d'autres personnes et d'ailleurs ils a projet nanga na mbana ba artiste mususu basi mibali ce sera vraiment avec plaisir. Prochainement ça sera qui vous pensez déjà Nazo pensez mais dépendre peu à disponibilité d'un chacun et puis style ya nzembo tout dépend. Voilà. Voilà, il y a encore une question. J'aurais une question. Ça aussi artiste. Je pense à Tenaga de poser aux questions. Je crois que